Voici la dernière étape de ce didacticiel, la troisième. Nous parlerons cette fois de compositing et de montage vidéo. Première des choses à faire est d'importer les séquences d'images que j'ai réunies par dossier que nous voyons actuellement. Par commodité, je renomme les dossiers. En déposant dans la chronologie la première séquence d'images, celle de la diffusion, je démarre véritablement le compositing. Nous venons de faire un bond dans le temps. Et voici le résultat quasi final que nous devons obtenir. La suite va présenter un petit peu comment nous avons fait. Comment de ce drone qui est juste un rendu 3D avec une transparence finit par avoir un fond animé et finalement avec un rendu quasi cinéma. Grâce aux différentes passes réalisées dans le logiciel 3D, je vais pouvoir améliorer le rendu de base du drone. Ici, ce que nous voyons, en fait, c'est une amélioration des lumières. Donc, je prends la séquence liée aux lumières, je la superpose et je vais chercher un mode de fusion qui s'appelle addition, que l'on retrouve par exemple dans Photoshop. Et ce mode de fusion, j'en règle l'opacité de façon à ce que ce ne soit pas trop fort. Cette séquence en noir et blanc est particulièrement importante. Elle permet de créer de la transparence. Le noir va permettre de voir le drone et le blanc va rendre transparent tout ce qui est dans l'image. Ainsi, le drone sera composité, c'est-à-dire qu'il pourra apparaître ensemble avec les autres images pouvant être de la vidéo, de la photo, voire des vecteurs. Voilà, et je recommence cette opération systématiquement pour améliorer les textures, améliorer les ombres, améliorer peut-être les reflets, les transparences, tout ce que me permet en fait ces différentes passes faites dans le rendu 3D. Maintenant, nous avons compris à quoi servent ces passes que l'on fait dans le logiciel 3D. Nous allons pouvoir revenir à la version plus évoluée de ce plan à compositer, simplement en changeant d'onglet. Dans After Effects, on parlera plutôt de composition ou de pré-composition. Le rendu 3D ne tient aucun compte du flou de mouvement, ce qui pourtant crée du réalisme de manière évidente. Pour obtenir un beau flou de mouvement en 3D, ça prend énormément de temps, alors que dans After Effects, c'est quasi instantané. Pour obtenir ce beau flou, j'utilise deux fonctions, le remapping temporel et un plugin qui s'appelle déformation temporelle. Bien réglés, ils permettent un flou de mouvement que l'on dit vectoriel en fait, c'est-à-dire que ce flou suit le mouvement de l'objet. Il n'est pas global comme l'est le flou gaussien. Quelques réglages sont nécessaires, mais voici le résultat final. Les bandes rouges indiquent simplement que l'ordinateur est en train de calculer les passes. Ce qui fait qu'effectivement c'est un petit peu plus long et il y a cet aspect un peu saccadé qui va avec. Pour simuler artificiellement la mise au point d'une caméra, je rajoute du flou gaussien avec des clés. C'est-à-dire que le flou gaussien va évoluer au fur et à mesure que le drone s'éloigne de la caméra, qui est complètement, pour le coup, imaginaire. Après quelques réglages de ce flou et quelques visualisations générales, eh bien, il est temps de l'exportation et de passer donc au logiciel de montage qui est
FCPX. L'épidémie mondiale, la cité est le dernier bastion de la civilisation. Aucun traitement durable, vous le savez, n'existe à ce jour. Le plan avec le drone doit remplacer deux petits plans qui ont été récupérés sur Internet et qui ne nous appartiennent pas. Mais ils étaient là pour pouvoir faire le montage. Au-dessus des deux plans à supprimer, je loge ce nouveau plan que nous avons créé avec le drone. La cité est le dernier bastion de la civilisation. Aucun traitement durable, vous le savez, n'existe à ce jour. Dans la chronologie, on peut voir que le calque d'effet est sélectionné. Dans ce calque d'effet, il y a un plugin qui me sert à créer des lens flares. Et ici, il sert juste à créer une atmosphère vaporeuse de lumière de façon à simuler une vision globale du soleil. Et de façon à ce que le drone, les immeubles, le ciel, tout ça fasse partie d'un tout. La cité est le dernier bastion de la civilisation. Aucun traitement durable, vous le savez, n'existe à ce jour. Cette fois, je rajoute de l'ombre, chose que l'on pourrait faire couramment dans DaVinci Resolve. C'est-à-dire que finalement, j'ai placé un calque noir, j'y ai mis un masque, là, c'est ce qu'on voit se déplacer en ce moment, et ce masque, il est noir, donc avec un contour progressif fort et une faible opacité. Et ça me crée une ombre, enfin plutôt un look plus cinématographique. Ici, je copie les effets d'un plan similaire à celui du drone afin de le copier dans le plan du drone qui est vide d'effets. Voilà, on voit les effets, là, le panneau des effets apparaître. Je ne les prends pas tous, je fais un choix. Et voilà, j'accepte. Comme le plan est différent, les effets qui ont été copiés ne donnent pas une bonne colorimétrie. Il faut refaire des réglages à partir des mêmes. Et donc, c'est ce que je suis en train de faire. Le but est d'être homogène du début à la fin du film. Ici, c'est un outil très puissant qui me permet de régler les contrastes, de gauche à droite, les ombres, les tons médiums et les hautes lumières. L'épidémie mondiale, la cité est le dernier bastion de la civilisation. Aucun traitement durable, vous le savez, n'existe à ce jour. Pour un observateur extérieur, le montage parfois devient harassant car il faut regarder plusieurs fois d'affilée le même plan encore et encore. Pour quelle raison? Tout simplement pour détecter les erreurs dans le mouvement, dans la dynamique, ce qui n'est pas évident par exemple à l'arrêt. Bon, le résultat semble satisfaisant, il est donc temps de faire une petite sortie. Ce que nous voyons, c'est compresseur. Compresseur permet de faire des lots de sorties différentes, par exemple pour le web, pour le cinéma, pour la télé, etc., en une fois. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est tout simplement un réglage pour Internet, donc 1280 par 720, dans une définition propre, mais sans plus, quoi. Le didacticiel drone s'achève ici. Les trois parties sont faites. Et cette dernière présente pas mal d'éléments qui, je pense, peuvent intéresser le niveau intermédiaire et le débutant de comprendre un peu ce qu'il y a à faire. Donc, eh bien, au prochain didacticiel. Merci à tous ceux qui ont suivi sur YouTube les aventures de ce drone volant parmi les immeubles.